Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. On est ravis de jouer avec vous dans les hauteurs. La vue est magnifique, il y a un somptueux lever de lune. Donc on va accompagner sa course en musique. N'hésitez pas à complètement vous tourner vers la vue. La musique qu'on va faire appelle à la contemplation. Donc prenez vos aises pour rêver, contempler, vous allonger et vous laisser masser les oreilles, comme on dit.
Halte son erreur.
et tiède, on ne sait si c'est de l'éveil ou si la foudre lente et calme du sommeil trace déjà ses signes dans les branches, qu'une inquiétude agite, puis c'est trop tôt pour qu'on y redessine des figures, que ses branches s'écartent devant nos pas. Nous avançons le monde à nos chevilles, au rêve de la nuit prend celui du jour dans tes deux mains aimantes, tourne vers toi son front, ses yeux obtient avec douceur que son regard se fonde au tien plus calme, pour un savoir qui ne déchire plus la querelle du monde et de l'espérance, et qu'unité prenne et garde la vie dans la quiétude de l'écume où se reflète soit beauté à nouveau, sois vérité, les mêmes étoiles qui s'accroissent dans le sommeil.
Thank you.
le bruit de fond qui est dans la nuit la recouvre. Les planches de l'avant de la barque courbées sous le poids de l'inconnu, de l'impensable. Ce dessert que me disent ces craquements qui désagrègent les pensées adjointées par l'espérance. Mais le sommeil se fait indifférent. Mais le sommeil se fait indifférent. Ses lumières, ses ombres. Ses lumières. Plus rien qu'une vague. Plus rien qu'une vague. Plus rien qu'une qui se rabat sur le désir. C'était François Atlas au clavier, à la guitare, aux percussions, au chant. Et nous avions Clément Barrieras à l'organetto, au filicorda et à la viole de gambe. Nous avions Aja au synthétiseur, à la harpe et au chant également. Rien qu'une vague qui se rabat sur le désir. Ces mots d'Yves Bonnefoy pour terminer 22e ciel. Douce rêverie autour des mots du poète. Donnée ce vendredi 26 janvier dans la salle panoramique du 22e étage de la Maison de la Radio et de la Musique, dans le cadre du Hyper Weekend Festival. Bonsoir François Atlas. Bonsoir. Nous sommes au 22e étage de la Maison de la Radio et c'est ici que vous donnez, aux côtés d'Aja, Bloumi et Varieras, un concert dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival. Comment vous trouvez la vue tout d'abord ? Majestueuse, très ouverte. Ça appelle à s'envoler. À l'origine de ce 22e ciel, il y a vous et il y a la poésie d'Yves Bonnefoy. Il vient d'où ce désir de chanter la poésie d'Yves Bonnefoy ? Ah, il vient de ce genre de sensation qu'on a qu'un recueil nous accompagne depuis très longtemps et que ça doit être autre chose que de rester un livre au fond du sac ou un livre de chevet, et l'envie de pouvoir ouvrir les pages à d'autres. La manière la plus accessible possible, c'est une poésie qui peut sembler un peu riche, un peu dense, parce qu'il y a comme un flot de paroles, d'images comme ça. Et j'avais envie de, ouais, voilà, d'ouvrir les pages, d'écarter l'entreligne avec de la musique. Vous avez mis en musique des poèmes des Fleurs du Mal de Baudelaire. En quoi Bonnefoy est semblable et différent de Baudelaire ? Baudelaire a beaucoup plus de style. Alors, au niveau de la forme et au niveau de la musique, c'est beaucoup plus simple avec Baudelaire parce que tout rime et tout est structuré de telle sorte que dès qu'on se le met en bouche, ça devient presque une chanson. Yves Bonnefoy, c'était plus une succession, comme je l'ai dit, d'images.
mais qui appelle des sonorités, qui appelle des sons. Et c'est pour ça que cet environnement-là de jeu est parfait, parce qu'on va jouer avec beaucoup de tapis, de nappes sonores, quelques bruits d'éléments aussi, des résonances, des réverbérations. Donc on est moins dans un côté chanson et plutôt comme un fleuve d'images qui s'écoulent. Aja, vous êtes avec François Atlas à l'origine de ce projet 22e ciel. Et vous avez emporté avec vous Clément Varieras, parce que vous travaillez régulièrement ensemble, hein, n'est-ce pas ? Oui, on a l'habitude de collaborer ensemble, notamment dans un groupe que Clément a initié qui s'appelle Radeau Consort. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bah, Clément, comment te présenter ? Érudit. Ça, c'est gentil. On aime bien l'appeler le professeur. Amoureux des instruments anciens. Oui, multi-instrumentiste, compositeur, organiste... Arrangeur. Blomy, vous, c'est François Atlas qui vous a emmené dans ce projet. Tout à fait, ouais, c'est François qui m'a appelé. Au départ, il m'a dit, est-ce que tu pourrais venir pour faire un peu des chœurs ? Et puis pour doubler ma voix, il m'avait dit. Ça devait prendre une demi-journée, j'étais là, pas de problème, François, allons-y. Bon, en fait, une chose en a amené une autre, et du coup, je me retrouve à faire du chimes. Des chœurs, avec des petits effets, coucou. Voilà, ce genre d'effet là, par exemple. Voilà, c'est simple. Des flûtes, deux flûtes, donc flûte basse, flûte traversière, soprano, normale, et un sampleur, avec des sons concrets, quoi. Des sons de feu, de mer, de vent, voilà, tout ça. Et vous, Aja ? Alors, je suis venue avec ma harpe. Je rigole parce qu'elle est très très grande. Là, j'ai avec moi une harpe classique, immense, magnifique, avec 5 octaves au moins. Je suis très 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 honorée de pouvoir jouer sur une harpe comme celle-ci. J'ai des synthétiseurs. Je vais chanter, puis je vais envoyer quelques bandes depuis mon ordinateur. Et vous, Clément, vous êtes avec un vrai arsenal. Ah oui, je suis venu avec un orgue électrique, un Philips Filicorda, qui est un instrument vintage un peu. Je suis venu aussi avec un organetto, pour le coup, qui est un instrument médiéval, un orgue qu'on peut actionner soi-même avec un soufflet, un peu comme un harmonium indien, et ça donne ça. François Atlas, vous jouez de quels instruments pour ce concert ? Alors, je vais jouer le tambour de ma petite amie, qui est un tambour rond en peau animale. Vu qu'on était à Radio France, qu'on voulait profiter de l'instrumentarium, j'ai aussi réquisitionné une timbale. On a une petite cymbale pour ponctuer. Mais je l'ai bien choisi, je suis très content de sa sonorité. Et il y a lui, oui, je ne vois que lui. Donc l'instrument suivant, un des premiers qu'on voit quand on rentre dans la pièce, je vous laisse le deviner. Très longue résonance. Et on a aussi comme instrument le clavier, qui produit de la synthèse FM. Donc c'est vraiment des sonorités beaucoup plus modernes qui... contraste avec les instruments anciens. Et enfin, on a un classique des chanteurs, la guitare acoustique. Clément Varieras, vous êtes de tradition classique, vous avez été formé à la Schola Cantorum, oui, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et que, comment faire le lien entre musique classique et musique improvisée et musique folk, pop, électro comme ce soir ? Le lien, il se fait avant tout par l'instrumentarium, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une façon d'orchestrer qui permet de faire passer n'importe quel répertoire sur n'importe quel instrumentarium. Oui. Et on peut beaucoup jouer, justement, là-dessus. On peut beaucoup déguiser, entre guillemets, un répertoire pour le faire ressembler à un autre. On peut beaucoup brouiller les pistes. Et là, typiquement, on est... dans une forme de folk et de pop, mais en lui donnant un instrumentarium, un arrangement et une façon de faire plus proche de celle de la musique classique, on arrive à brouiller un petit peu les pistes, la frontière entre les deux. Ouais. François Atlas, quel genre de mélodie écrit-on pour la poésie d'Yves Bonnefoy ? Alors c'est varié. J'avais envie, disons, vraiment d'aller au plus simple pour rendre la poésie accessible, faire de la place aux paroles.
mais quand même d'avoir ramené Varieras qui lui a une culture de l'arrangement un peu plus complexe. Il a enrichi à quelques endroits les arrangements que j'avais proposés, notamment sur un morceau qu'on a intitulé Le Rossignol, qui est un passage dans lequel Yves Bonnefoy parle de Ulysse qui est bloqué sur une île et qui écoute le chant du rossignol en s'endormant. Moi j'avais envie de beaucoup de sobriété, beaucoup de simplicité, et vraiment de rentrer dans ce qu'il appelle le leurre des mots. Yves Bonnefoy, les poèmes qu'on va chanter, c'est extrait du leurre des mots. Cette espèce de... Ça veut dire que les mots sont mensongers ? Ouais, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière la surface des mots ? Donc c'est un état un peu transitoire de la compréhension du monde. À partir du moment où on remet en question le langage, ce qu'on comprend, etc., il faut se mettre dans un état un peu transitoire de l'appréhension du monde. Et donc voilà, on a une musique un peu en transition totale. Le dernier mot de la soirée, c'est le mot désir. Plus rien qu'une vague qui se rabat sur le désir. Est-ce que c'est un mot important pour 22e ciel ? C'est beau. Je n'avais même pas pensé. Pas réalisé, mais oui. Désir, je pense que ça nous est... Forcément, c'est un mot important pour tout le monde. C'est bien de se réveiller avec le désir, non ? Ouais. Moi, ça me va bien. Comme annonce pour 2024 aussi, ça me va bien. Désir. Ouais, c'est un mot qui sonne super bien quand même, désir. Rien que le son, désir, ça se glisse tellement facilement dans l'oreille. Mais la phrase complète, c'est plus rien qu'une vague qui se rabat sur le désir. Donc ça peut être interprété de plusieurs façons. Ça peut être aussi une manière de comprendre que nos désirs peuvent aussi facilement s'éloigner et se rabattre que les vagues qui viennent et disparaissent. On reste dans le paradis fragile ? Voilà, un paradis à renouveler, à réinventer en permanence.